Me revoilà. Donc, on va partir pour les finitions. Ça, je ne vais pas les perdre parce que c'est mes séparations de tiroirs. Premièrement, choisir le devant, qui est un peu le côté qui va se voir le plus. Donc, trouver le papier qui vous plaît le plus. Celui-là me plaît beaucoup. Ouh. Ouh, ouh, ouh. Celui-là est magnifique, mais du coup, c'est presque un peu trop gros. Non. Celui-là me plaît toujours plus. Ah, celui-là avec des lignes, c'est sympa aussi. J'avoue que des lignes, si en plus on arrivait à écrire, à faire correspondre les lignes pour écrire dessus la couleur des œillets qui sont dedans. Ah, ça pourrait être bien ça. Là, les fleurs sont. Oh, celle-là, elle est belle aussi. Ah, c'est compliqué de choisir. Tous ces papiers sont magnifiques. Tadi, tadi, tadam. C'est beau, hein? Ah, c'est très, très beau. J'adore. Et du coup, j'ai du mal à choisir. Alors, on ne va pas faire 50 fois, on va faire les lignes. Puisque les lignes, je trouve qu'elles n'iraient pas ailleurs. Donc, elles vont aller là. Voilà. Et je vais vous refaire, si vous ne l'avez pas déjà vu, la méthode pour que l'intégralité du dessin se voit devant comme un puzzle. Ça n'a qu'un seul inconvénient, c'est qu'après, il faut absolument remettre vos tiroirs dans la bonne case. Ça vous oblige à les ranger au bon endroit. Au pire, vous les numérotez, hein. Donc, vous prenez, on va commencer à faire, par exemple, les papiers de, les tiroirs de droite. Donc, on va se mettre sur la gauche du papier. Puisque quand on le retourne, toc, il se retrouve là. Et on travaille sur l'envers. Là, je ne calcule pas la dimension des tiroirs. Je prends la dimension de la boîte, c'est-à-dire 2 par 5. Et j'enlève 5 mm. Donc ici, je vais tracer à 4,5. Là aussi. Ouais, il est où montré? Quand je vous dis que j'y vois plus rien, je ne vois pas plus montré. Je vais le faire à un endroit plus clair parce que je ne voyais rien. Le milieu fait 4, donc je vais faire 3,5. Là, c'est facile parce qu'on n'a pas des tiroirs dans tous les sens. Donc, c'est très facile pour vous expliquer comment faire. Ici, 3,5. Et là, on a 5, donc on va remettre 4,5. Jusque-là, c'est facile. Par contre, dans l'autre sens, là, j'ai des petits bouts et là, j'ai un grand. Comme j'ai des lignes, je veux que mes lignes correspondent. Donc, ça va être plus coton. Vous allez ici faire des traits tous les 1,5 puisqu'on a 2 cm. Donc, 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 10,5, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai déjà 8, c'est déjà trop. Non, c'est là que je me trompe, ça y est. Ben voilà, il fallait bien que je fasse une bêtise. Vous allez faire vos traits tous les 2 cm. Pardon. Justement parce que le milieu n'est pas de la bonne taille. 12, 14. Voilà. Tous les 2 cm jusqu'à 14. Alors là, il faut que je me mette tous un peu plus clair, sinon je ne verrai pas mes traits. Voilà, tous les 2 cm jusqu'à 14. Ah, mais quand même, je te jure. Le pire, c'est que je suis là en train de dire, ah, il ne faut pas que je me trompe. Et boum, qu'est-ce que vous pensez qu'il arrive à chaque fois que je dis qu'il ne faut pas que je me trompe? Je me trompe.
Mais j'ai galéré la première fois que j'ai voulu faire. J'avais pas envie de faire des tiroirs unis. J'avais envie de garder le motif. Et comme il n'existait pas de tuto, ben, je me suis débrouillée. Et voilà. Bon, j'ai pas mes grands ciseaux, mais c'est pas grave. Là, vous coupez. Hop. En largeur, c'est pas compliqué. On va faire encore autre chose, vous allez voir. Vous allez les numéroter parce que dans 2 minutes, il va y avoir 12 000 papiers par terre. Donc ça va être le 1. Celui-là, il est grand. Et après, ici, on va mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. J'aurais pu numéroter à partir de 1, ça aurait été plus logique. Et puis celui-là, pas le numéroter, puisque il est facilement reconnaissable. Mais quand on est con. Hein. Et là, vous finissez de couper. Ici. Voilà. Ici. Et celui-là, le grand, il fait 14 et on a besoin de 14 et demi, donc on n'a rien à recouper. Celui-là, là, il est parfait, il va ici et il ne bouge plus. On va l'ancrer avant, hein. Maintenant, ceux-là, oh, que j'aime pas travailler avec des petits ciseaux, vous allez en haut et en bas, donc vous pouvez les découper un par un si vous avez envie. Donc ceux-là, c'est ceux qui étaient ici, donc ils vont venir là, hein. C'est cette partie-là du dessin, ok? Vous allez à chaque fois enlever 2 mm en haut et en bas, pas à droite et à gauche, mais en haut et en bas, vous leur enlevez 2 mm. 2 mm en bas, 2 mm en haut. Vous ne vous trompez pas, vous n'enlevez pas 4 mm d'un côté, hein. Voilà. Ce qui fait que là, à condition que j'ai un tiroir, j'aurai mes traits bien en face. OK? Je vais d'ailleurs vous le redessiner ici, comme ça vous le verrez au fur et à mesure. On prend le 3, là, en suivant le trait, et maintenant j'enlève 2 mm en haut et 2 mm en bas. Vous pouvez le faire au massicot si vous êtes précise et que votre massicot il enlève 2 mm sans problème. Et donc là, j'aurai mon trait et vous voyez l'espace, c'est l'épaisse, c'est l'espace entre deux tiroirs. Et vous faites ça jusqu'en bas et vous recommencez le même cinéma avec la colonne numéro 2. Vous enlevez 2 mm en haut, 2 mm en bas. Maintenant, je vais vous montrer comment on met les petites poignées. Waouh! Ah ben, j'ai super coupé droit, quelle horreur! Voilà. Maintenant, je vais prendre de l'encre. C'est vrai que le fait qu'il y ait des lignes complique le dessin parce que les feuilles, si elles ne se suivent pas tout à fait au millimètre près, ce n'est pas très très grave. Mais les lignes, ça aurait, à mon avis, choqué et j'espère que je vais être bien droite parce que sinon ça va choquer. Alors attendez, je me suis déjà mélangée. 3, non, 2, 3 et 4. Tout va bien, je ne m'étais pas mélangée. J'ai pas encore fait l'intérieur, mais ce n'est pas très grave. Vous savez quoi? J'ai perdu ma petite poignée. Elle est où ma petite poignée? Là. Voilà. Vous collez. Non, mais je te jure, mais je suis toujours en train de chercher. Donc en plus, le fait de les avoir numérotés vous donne aussi le haut et le bas du papier, le sens du papier. Voilà. Donc vous le collez sur le devant de votre tiroir. Vous allez voir, c'est à peine plus petit que le tiroir. Voilà. Puis vous prenez
votre fameuse petite poignée, si elle n'est pas du tout écartée, vous l'écartez un petit peu. Alors, ce ne sont pas des poignées, hein. À l'origine, c'est pour faire des cadres photos. C'est pour mettre à l'arrière des cadres photos. Voilà, vous l'écartez un peu. Vous la mettez bien au centre. Hop. Là, vous faites un trou. Alors, je n'ai plus d'outils pour faire des trous, c'est la catastrophe. Si vous n'êtes pas sûr d'être au milieu, mesurez. Et vous faites un trou sans vous trouver le doigt. Voilà. Vous mettez un petit bras. Hop, hop, ils sont où les bras? Oh, malheur. Ah non, ça va. Je ne les ai pas rangés. Ils sont sous le fouillis, mais accessibles. Vous mettez un petit brad qui a les pieds tellement déjà écartés que c'est compliqué de le mettre. Vous lui écartez ses petites papates à l'arrière. Et donc, évidemment, si je les écarte du mauvais côté, ça ne va pas le faire. Et vous en écartez une à droite, une à gauche, hein, pas une en haut, une en bas. Et ça sera caché par le papier qu'on viendra mettre à l'intérieur. Et voilà, tout simplement, vos premiers petits tiroirs. Votre premier tiroir, mon premier tiroir d'ailleurs, c'est pas le vôtre, c'est le mien celui-là. Voilà, donc il faut finir ça jusqu'au bout et après pour décorer le reste, ça va être beaucoup plus simple. Je vais juste coller celui-là, je finirai le reste de mes découpes tranquillement hors cam pour pas vous embêter. Et je vais vous donner les dimensions pour tous les autres côtés et les dimensions pour recouvrir les tiroirs, l'intérieur et l'extérieur de chaque tiroir. Ah, il faut que je vous donne deux possibilités, si vous avez fait des séparations ou pas de séparation, c'est vrai. Et voilà, ça va être joli. Bon, là, ça manque un peu de... Ça manque un peu de tiroir fini, ce machin-là. Hein. Mais voilà. Voilà ce que ça va donner. Hop, hop, hop. Bon, ça c'est bon. Allez, je ne les perds pas, mais ils sont numérotés, donc je peux les enlever, les mettre de côté. Je ne vais pas être perdue quand je vais vouloir... Enfin, si, parce que autant ils vont être enfouis dans le boui-boui. Ça, c'est très possible. Sur le dessus, je pourrais peut-être essayer d'utiliser, mais j'en ai pas assez pour faire les deux côtés, alors ça risque de faire bizarre si je mets les lignes dans un sens, les lignes dans l'autre. Pas terrible, terrible. Ah, ou alors j'utilise l'arrière. L'arrière est plus fondu, ça sera moins choquant. Je pourrais mettre ça là. Ouais, tout à fait. Je pourrais utiliser l'autre côté du papier. Tiens, là, ça manque un peu d'ancrage au bord, là. Oh, pour le coup, maintenant, mon ancrage, il est grand. Il est large. Voilà. Donc, je pourrais très bien mettre celui-là ici et celui-là là. Ça serait pas mal. Pour pas gaspiller. Donc, ici, vous avez 5 par 10. Donc, vous allez faire 4,5. Par 9,5 ici et là, ok. Là, vous avez 14,5, donc vous allez faire 14 par 14,5. Hop, donc vous faites 14 par 14, et là, vous allez faire 9,5 par 14 de haut, et là, ici, vous allez faire 9,5. Par 14. Pourquoi je marque 15? Donc 14 ici et 9,5 par là. Parce qu'il fait 14,5, hein, je ne me trompe pas. Ouais. Voilà, là c'est facile. Les tiroirs. Les tiroirs. Donc on prend toujours la dimension de la boîte. Comme ça, le tiroir est recouvert presque jusqu'à ras. Même si j'en enlève un peu, il est presque jusqu'à ras et ça le solidifie beaucoup. Donc là, vous avez des tiroirs, des boîtes en tout cas, de 10. Donc vous faites
votre papier à 9,5 et ici à 4,5. Là, 9,5 par 4,5. Ici, vous avez 2, donc vous allez faire 1,5, même si en fait, il ne reste que 1,8. 1,5 par 9,5. Voilà. Aussi bien pour la droite que pour la gauche. Là, au fond, c'est les mêmes dimensions que devant, donc c'est 4,5 par 1,5. Et là, il vous en faut à l'intérieur et à l'extérieur. Et il vous en faut 2 pour la séparation. J'en ai fait un de tiroir avec une séparation. Vous vous souvenez où il est? Voilà, il est là. Donc, il vous en faut 1, 2, 3, 4, 5. Puisque le devant, il est fait différemment. Il vous en faut 5. 2, 4,5 par 1,5. Voilà. Pour l'intérieur, ben, il vous faut 2 morceaux. Donc, ce que vous pouvez faire, 2 solutions, soit vous le découpez de la même taille que le dessous, vous le coupez en 2 et vous venez le coller et il y aura moins de marge. Soit vous le faites en 2 morceaux et dans ce cas-là, vos 2 morceaux font 4,5 par 4,5. Voilà, là et là. Je crois que je vous ai tout donné, hein, vous avez toutes les dimensions. On ne décore pas là l'intérieur, l'intérieur reste ivoire. Vous mettez bien du papier de scrap à de tous les côtés du tiroir, dessous, dessus, dedans, à droite, à gauche, de partout. Ils doivent être recouverts de partout, c'est ce qui fait la solidité du tiroir. Et c'est ce qui fait aussi qu'ils ne vont pas, là ils bougent, vous voyez, là vraiment ils sont trop petits. C'est normal, c'est parce que j'ai prévu l'épaisseur du papier. Une fois que vous aurez mis vos papiers, ils seront pile poil de la bonne taille. Si vous ne mettez pas les papiers, vous aurez non seulement des tiroirs mous et fragiles, mais en plus, vous aurez l'impression qu'ils flottent dans leur emplacement. Bon, ben voilà, je vous ai tout dit. Et donc après, où est-elle? Maintenant que c'est sec. Et après, vous l'attrapez et vous la trimballez de partout. Et si vous n'avez pas envie de mettre des rubans, vous l'attrapez comme ça et vous la trimballez de partout. Alors, quand vous la trimballez, essayez de ne pas vous pencher en avant. Parce que si les tiroirs sont très pleins, le fait qu'ils soient quand même pile poil à la bonne taille une fois qu'ils sont recouverts de papier, s'ils sont très pleins d'œillets en métal, donc finalement un tout petit peu lourd quand il y en a en quantité, ça pourrait très bien finir par les tiroirs qui s'ouvrent et tous les œillets répandus par terre à retrier par couleur. Donc quand vous le transportez, transportez-le légèrement penché en arrière. Je n'ai pas fait de bande là pour l'empêcher, de bande aimantée pour l'empêcher de s'ouvrir. Parce que je me disais que sur la table, les bandes allaient nous embêter. Mais si vous voulez en faire une, c'est très facile. Vous prenez un papier, là vous mettez par exemple 4 cm. Là vous mettez 14, combien il y a ? 14,2. Donc à peu près 4 cm, puis 14,2, puis 4 cm sur cette hauteur-là. Et vous mettez deux aimants ici, deux aimants là, sur votre meuble avant de mettre les papiers. Et deux aimants sur les rabats du petit machin. Et du coup, vous pouvez avoir un rabat, quand vous le transportez, il est fermé. Et quand vous arrivez ici, vous le déclipsez par vos aimants, vous le posez quelque part et vous avez vos tiroirs accessibles. Voilà, ça c'est facile à faire si vous avez envie. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc maintenant, je vais vous laisser travailler de votre côté, finir tout ça. Moi, je vais finir tous mes tiroirs et toute ma déco. Et puis, on se montre le résultat quand on a fini. Hein, on s'envoie plein de photos dans le groupe ou ailleurs. N'oubliez pas de toujours citer au minimum le nom du tuto et le nom de ma chaîne YouTube. Parce que ma chaîne YouTube, maintenant, n'est plus au même nom que mon compte Facebook. Donc, si vous mettez la chaîne de Odile Brochier, les personnes qui ont envie de faire la même chose ne vont pas me trouver. Donc, si possible, vous mettez la chaîne Crocodile. Si vous savez faire, vous mettez le lien. Si le groupe dans lequel vous postez l'autorise, vous mettez le lien vers le tuto ou au moins la vidéo de présentation. Hein, vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les vidéos intermédiaire, ça c'est pas un souci. Mais faites-le comme il faut s'il vous plaît, parce que je n'apprécie pas et je me mets facilement en colère. J'en ai ras-le-bol qu'on ne me cite pas, ou alors qu'on me cite en disant
Merci Odile. Merci à Odile. Ben oui, mais la nana qui veut faire le tuto parce qu'elle trouve votre réalisation magnifique, si elle dit juste merci Odile, elle va pas du tout savoir de quoi vous parlez. Donc merci de citer correctement. Voilà. Et puis si vous pouviez au passage, maintenant que je vous ai fait votre petite leçon de je m'énerve si vous faites pas les choses comme il faut, si vous pouviez aussi liker les vidéos. Voilà. Et puis si vous n'êtes pas contente de ce que je vous viens de vous demander, il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien ignorer ma chaîne et mes tutos et aller faire les tutos de quelqu'un d'autre, ça ne me posera pas de problème. Par contre, je demande juste un minimum de respect. Quand on utilise mes tutos, mon travail, ça me prend du temps, de l'énergie, du papier, des sous, etc. Et pour vous, c'est gratuit. Donc en échange, je demande juste qu'on me cite correctement et respectueusement. Voilà, c'était tout. C'était ma minute coup de gueule. Bye bye et à bientôt!